c'est parce que on a l'habitude de parler en français. Because we always speak in French. Il y a une dominance francophone. Our church, most of the time, we speak in French. Donc, pour passer le petit conseil que nous avons, c'est mieux de nous le faire. To give my advice, yeah, I'm not speaking in French. Okay. Let us pray. Notre Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de ta présence dans tout ce que nous faisons. Parce que, au lieu de l'aimer, la Bible dit, quand nous sommes ensemble, deux ou trois, tu es au milieu de nous, Seigneur. Et personne ne peut faire quoi que ce soit sans être guidé par toi. Ça ne sera qu'un échec. Nous avons beaucoup de soucis pour cette génération qui nous suit, Seigneur. Nous voulons laisser un impact qui pourra les aider, Seigneur Jésus. Ainsi, aide-nous encore afin que ces quelques mots puissent les édifier. Nous avons tout à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dirais merci encore une fois à notre frère Eric. C'est une marque de considération de nous accorder la chance de parler aux jeunes ici. J'avais préparé quelque chose par rapport à l'audience, mais on dirait que je vais essayer de changer ça un peu. I've prepared something for the congregation, but I think I'm going to change it a little bit. Parce que quand on a parlé des réunions des jeunes, because when they said that it's going to be youth meeting, je voyais la grande jeunesse. Les jeunes qui aiment les citations, ainsi de suite. Mais on dirait que c'est beaucoup plus les plus jeunes, bien que nous avons encore les grands. Nous allons essayer d'adapter ce que nous avons. Bon, nous allons lire la Bible rapidement. Je vais parler juste quelques minutes, parce que le temps presse. Yeah, I'm going to take all these few minutes because we don't have much time. Okay. We are going to read in the book of Proverbs. 20, chapter 20, verse 29. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Nous allons encore lire un autre verset. Vous pouvez nous asseoir, s'il vous plaît. You can sit now. Nous allons encore lire un verset. We are going to read another verse. English. Ecclésiaste 11, chapitre 10, 11, verset 10. Ecclésiaste 11, verset 10. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. C'est bon? Ok. Donc, je vais commencer d'abord par dire quelque chose qui va peut-être sonner très mal, mais supportez-moi. I'll start saying something maybe it's going to sound very good, but ce n'est pas dans un mot. Nous sommes ici une assemblée à prédominance d'origine congolaise. We are here church which have most of people from Congo. Et je pense que c'est pas mauvais de nous identifier comme des Congolais. I think there's nothing bad with that to identify ourselves as Congolese. Nationalité, y a pas de problème. If there's young people from everywhere, it's not a problem. J'ai une raison de dire ceci. Got a reason why I would say this. Vous lisez Frère Branham, il s'identifiait aux Américains. You mean Brother Branham always identifying himself to America. Il disait toujours la honte de l'Amérique. Always saying the shame of America is my glory. La gloire de l'Amérique, c'est ma gloire. The glory of America is my glory. Et je crois que ce n'est pas mauvais de dire que la honte du Congo, c'est ma honte. I think it's not nothing bad with faith when I say this. Shame of Congo is my shame. La gloire du Congo aussi, c'est la mienne. The glory of Congo is also, mine. Je dis ceci parce que I'm saying this because, il me semble partout où je vais dans ce pays que la communauté congolaise est mal réputée. I'm saying this because wherever I go, the
people saying that the Congolese community is. On parle de toi même, on parle déjà même dans le monde du message. They are saying that even the people. Ils disent que les Congolais ne peuvent rien faire de bon. They are always saying that Congolese cannot do something good. Les Congolais ne sont pas sérieux. Congolese are not serious. J'étais très écœuré. On a été à un deuil. We went to a funeral. Our brother died. Il y a eu une prédication. C'est vrai qu'on n'a pas cité le nom. There was a sermon. Mais vous suivez la prédication. Listen to the sermon. Vous remarquez que on s'attaque à la communauté congolaise. You notice that they were attacking the Congolese community. On nous montre comment est-ce que nous venons ici et nous sommes très enfermés. They are showing us when we come here, we are just among us. Nous ne voulons pas changer. We don't want to change. Et nous ne voulons pas nous adapter avec les autres. We don't want to get accommodated with others. En fait, en bref, nous sommes renfermés. In short, there we are. Et nous ne sommes pas organisés. We are not organized. Et une fois, je suis allé dans une autre église. And one day, I went to another church. Une église du message. A message church. Le pasteur avait beaucoup de mots d'appréciation. Pastor said so many good things. Je connais les frères congolais. He said, I know Congolese brothers. Ils sont nombreux ici. Yeah, so many of them here. S'ils peuvent être sérieux et ensemble, ils feront une force très grande. If they can be serious and together, they do good things. Good things. Ces choses, quand je pense à cela, ça me fait réfléchir. And when I think about this, it pushes me to think. Et la première fois que nous avons parlé des réunions des jeunes, j'étais avec le frère Landou. And the first time we spoke about the youth meeting about with Brother Landou. Je crois qu'il y a notre jeune frère Eli qui était là. I think Brother Elijah also was there. Curieusement, il a fait la même remarque. And il est venu aussi là, il a dit, frère, j'étais quelque part et on parlait contre notre communauté. He said, oh, but I was somewhere and the people were talking against our community. Bon. Now. Frère Branham. And Barbara était américain, nous le savons, n'est-ce pas? Was American, you know it. Mais vous allez lire le message, frère Branham s'identifiait comme un Irlandais. And when we read the message, we found that Barbara was identifying himself as il disait, je suis Irlandais. He always said that I'm Irish. C'est à cause de ses parents. It's because of his parents. Et je crois que. And I believe that. Beaucoup de gens qui réussissent, most of the people, même là où nous habitons ici à Londres, ce sont des gens qui savent s'identifier en tant que tel. It's those people who could identify themselves. Je vis dans un quartier de juifs. I live in a place where there's Jews. Le pasteur nous a parlé des musulmans ici. And pastor spoke to us about Muslims. Mais moi je parle des juifs. But now I'm speaking about ceux qui connaissent les juifs vont remarquer que les juifs ont leur manière de vivre. If you know the Jew, you are going to notice that they have their way. Ils vivent ici en Angleterre. They live here in England. Mais ils vivent séparément. And they live separately. De leur manière. In their way. Vous allez dans ces quartiers-là, vous ne verrez jamais de femmes juives en pantalon. If you go to those places, you never found a Jew woman in trousers. Vous allez voir des jeunes enfants. You déjà ici, young people. Avec leur chapeau, je ne sais pas comment on appelle their ça. Hat, I don't know how you call it. Et leur truc de cérémonie. Call it keeper. Déjà dès le bas âge. Yeah, they started from the young et ces enfants, on les prend en groupe, on les amène dans la synagogue. And those children, they are taken in group, they take them to the synagogue. Donc, ils sont déjà en train d'être encadrés dès l'enfance. Yeah, they are taken, they are trained as children. On leur enseigne leurs valeurs. They are teaching them the value, their values. C'est comme le pasteur disait ici. As the pastor said here. C'est que les gens font quand ils deviennent grands. What the people are doing when they grow up. C'est souvent le reflet de ceux qui s'apprennent quand ils sont encore très jeunes. They learn when they was young. C'est simple à comprendre. It's easy to understand. Nos enfants ici n'ont pas beaucoup de préoccupations. Our children here, they are not that busy. Ils sont un peu comme une balle magnétique. They are like qui est encore vierge. Magnetic tapes, recording tapes. Qui est encore vierge. The recording tape which is empty. Qui est prêt à enregistrer. Which is ready to record. Mais par contre, nous, avec l'âge, nous sommes devenus un peu saturés. But us, according to the age, we are full.
Les adultes qui vont à l'école savent de quoi je parle. Yeah, the girl have gone to the school. Vous allez remarquer que même pour vous concentrer, pour lire deux pages d'un livre, c'est un problème. You are going to notice that even to concentrate yourself to read two pages of the Parce que vous pensez aux enfants. Because you are thinking about children. Vous pensez au travail. You think about work. Vous pensez à l'Afrique. You think Africa. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. There are so many things happening in Africa. Mais quand les enfants sont encore enfants, but when the children they are small, c'est à ce moment-là qu'ils apprennent beaucoup de choses. It's the time when they learn so many things. Les communautés qui ont compris cela, those communities who understood that, ils font en sorte que leurs enfants gardent leur tradition. They are teaching their children to keep the tradition. Nous ne prêchons pas les traditions du monde. We are not preaching the tradition of the world. Parce que le prophète dit que nous sommes citoyens du ciel. Because the prophet said we are from heaven. Mais par contre, nous venons de quelque part. But we came from somewhere. Nous avons des valeurs. We have values. Je crois que les adultes qui sont ici. Qui ont grandi au pays, who grew up, back home. Ils savent que nous avions quand même une bonne éducation. They know that we have good education against them. Malheureusement, ça ne se reflète pas dans notre jeunesse. Unfortunately, it's not reflecting itself. Et nous comprenons que c'est la pression des. And we understand that it's the pressure of these people. C'est l'âge comme le pasteur a dit. It's the age as the pastor said. Parce que le prophète dit que quand les gens se multiplient, and the prophet said when the people start to multiply, cela vient avec la violence. It brings the violence. Cela vient avec le péché. It brings sin. Cela vient avec beaucoup de choses. It brings so many things. Et c'est pas étonnant que dans le pays comme ceci, vous voyez la violence tous les temps vous attendez par la violence. Je vous assure que si on nous prenait maintenant, nous les adultes, qu'on nous mettait dans un autre monde et qu'on laissait la jeunesse seulement, les enfants, if they take us adults, take us somewhere and leave the young people among them. Je vous assure que I'm telling you that rien ne marchera. Nothing will work. Ça va finir. It's going to finish. Parce que là où j'habite à Londres, je sais que where I live in London, les jeunes gens savent de quoi je parle. And young people they know what I'm talking about. Il y a des gens aujourd'hui à Londres. There's people today in London qui ne peuvent pas fréquenter d'autres quartiers parmi les jeunes. Yeah, you can't go to another place. Vous allez dans un quartier, vous n'êtes pas admis. You go to a place, you are not allowed to go. Ils ont de petits conflits. They've got rivalités. They've got conflict between them. Des groupes. They've got groups. Et ça vient d'où? Ça vient des films. What's coming from is coming from the films, movies. Et tu vois ce qui se passe dans les films. And see what is happening in movies. Les conflits, les gangs, tout ça. That's conflicts. Et ils veulent vivre ça dans la vie normale. And they want to live that life in normal life. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui vous allez voir que quelqu'un a pris un couteau. That's why you see someone today is going to take a knife to stab someone. C'est comme le passé de la vie. La conscience a déjà été endommagée. And you see that you have. Vous avez trop bouffé inconsciemment. You've been eating unconsciously. Et ça se reflète dans votre attitude. And it's reflecting itself in your behavior. Okay. Amen. Je crois que la Bible dit. I think the Bible says. Honore ton père et ta mère. The Bible says honor your father and mother. Il n'y a pas une grande fierté que de voir pour un parent que de voir ses enfants suivre la voie qu'il a suivie. Yes, the best thing is the best way. À moins que ce soit un parent qui a lui-même quitté la voie normale. Unless it's a parent who is not following the right way. Tout parent conscient. Every conscient parent voudra le meilleur de ses enfants. Like the best of his children. Et il va essayer d'influencer ses enfants dans la bonne voie. He's going to try to influence his children in a good way. Donc comprenez les jeunes que and understand young people that la vie que vous menez, the life that you are living, partout où vous allez, everywhere you go, le jugement qu'on porte sur vous, the judgment upon you, affecte le jugement qu'on porte sur les parents. It's going to affect your parents' judgment too. Donc, en parlant des parents, je parle aussi de notre communauté. When I'm talking to the parents, I'm talking to our community as well. Le prophète dit dans le message les choses qui doivent arriver. The prophet said in the message the things are to come. Il n'y a pas de hasard.
Rien ne se passe dans ce monde par hasard. There's nothing happening per chance. Même l'endroit où vous êtes, even, où vous vivez, even where you're living, le prophète dit que c'est pour une raison. The prophet said there's a purpose for that. Et le prophète dit même quelque part, il dit que si vous allez quelque part, the prophet said if you go somewhere, vous trouvez une église, you found a church, s'ils sont dans l'erreur, if they are in error, allez fréquenter cette église, go and mais allez avec le Christ que vous avez pour les influencer. But go with Christ you've got to put them under the influence. C'est curieux qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas cela. People doesn't know that. Il y a des mouvements qui s'élèvent partout qui découragent les gens. There's a movement coming from everywhere discouraging people. Malheureusement, c'est la jeunesse qui est vulnérable. Unfortunately, yes. It's the target is the youth. On vous dira bon le temps des églises est passé. Oh, they'll tell you that there's no time for churches anymore. On vous dira bon écoutez n'allez pas dans cette église oh, parce que sont tell you, you cannot go there because they are like this and that. Mais Branham vous dira que yes, si vous allez part, il n'y a pas une église qui croit comme vous croyez. If there's no church, believe that. Allez-y, go on. Manger la partie de la table qui vous intéresse. Vous ne direz pas que vous irez dans une église du message. Même pas un passage de la Bible. You are not going to tell that if you go to any church of the message, they are donc, not de ce côté-là, juste en passant, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'excuse. In that way, il n'y a pas d'excuse. N'est pas allé à l'église. I don't have time to give quotation, but I think there's no excuse. C'est totalement wrong. Totally wrong. Déjà pour commencer, hein, je dis, j'insiste que il est important d'aller à l'église. Just to begin, I'll tell you that it's important to go to church. Bon. Now. Maintenant. Now. Je vais juste dire quelque chose, peut-être d'une certaine manière. Je ne vais pas lire les citations. I would like to say something in a certain way. Je voudrais que vous sachiez que. Le pasteur a dit ici, en lisant la citation, que nous devons toujours suivre quelqu'un. The pastor said that we have to follow someone. Et c'est le prophète qui a dit cela. It's the prophet said that. Moi, je vais ajouter ceci. I'll add this. Si vous lisez dans le message question et réponse de 1959, je crois. If you read the question answer in le prophète parle des mauvais esprits. Il parle des prophètes. Spoke about the bad spirit. Ouais, comment il s'empare des gens? Yeah, how he gets with people. Il parlait du fou de Gadara, je crois. He spoke about the fou de Gadara. Il dit écoutez. The maniac of Gadara. Il dit écoutez. Le diable est un puissant sans un corps. He said the devil is powerless without a body. Il dit mais remarquez que le Saint-Esprit aussi est un puissant sans un corps. He said notice the Holy Ghost also is powerless without a body. Donc c'est ce que moi j'appelle le mystère du voile. That's what I call the mystery of the veil. Dieu a besoin de l'homme comme son agent. God needs a man as the agent. Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Yes. God cannot do anything without man. Le prophète le dit. Yes, le prophète says that. Vous allez remarquer par exemple que Dieu avait fait la promesse à Abraham. As God gave the promise to Abraham. Il a dit ta postérité said, sera asservie dans un pays étranger. He said your offspring, your seed, ouais. Ils seront dans l'esclavage. Your seed will be in slavery. Mais après des années, je viendrai moi-même. And after years, I'll come myself. Lisez dans la Bible et vous n'allez pas me contredire. Il a dit, je viendrai moi-même en main puissante pour les sauver. Amen. Power, hand of power, I'll deliver them. Les choses se sont déroulées. And the things happen. On arrive à ce moment, au lieu que Dieu descende. Instead of God coming down, come down. Au lieu qu'on voit Dieu descendre avec l'armée céleste. Instead of seeing God coming down with the armies. Il est souverain, il pouvait bien faire ça. He's sovereign, he could do it. Mais on voit Moïse qui se présente. But we saw Moses coming. Vous allez comprendre pourquoi Moïse discutait avec Dieu. You understand why Moses il se regarde et il se voit comme un homme. Moi, Moïse, je suis un homme. That's why Moses was trying to take God that I'm just comment je vais faire pour affronter Pharaoh? How can I do to go before Pharaoh? Qu'est-ce que je vais faire pour délivrer ces gens? What am I going to do to deliver those people? Who was in slavery since
4 years and years. Dieu dit à Moïse, and God told Moses, écoute, il y a un secret. Yes, there's a secret. I'm going to tell you that secret between us. Moi, je vais le faire. I'm going to do it. Mais j'ai besoin d'une collaboration avec toi. I'm going to do it, but I need someone. Ah, ouais. Parce que la loi de la rédemption, pour délivrer les gens, il faut que ce soit Dieu lui-même, parce qu'il est le grand. Mais il faut que ce soit aussi les proches parents de l'homme. But it must be a kinsman of the man. Dieu ne peut pas le faire en tant que l'esprit. God couldn't do it as a spirit. C'est la raison pour laquelle il a convaincu Moïse qu'il avait besoin de lui. That's why he convinced Moses that he needs him. Il a dit, toi, accepte de me donner seulement ton corps. He said, you just give me your body. Moi, je vais t'entraîner. And me, I'm going to train you. Regarde, fais ceci. See and do this. Tu vois? You see? Tu as remarqué que tu es tout puissant? You know, now you notice that you are powerful. Le prophète dit que l'homme est tout puissant. The prophet said, man is powerful. Oui, et Dieu est tout puissant. God is almighty. Et Dieu veut se rassembler avec l'homme afin de manifester la toute puissance. God wants to want me to get of men to manifest the power, the total, the total power. J'essaie de vous dire ceci, mes jeunes frères. I'm trying to tell you this, young people. Parce que je veux que vous compreniez que vous ne devez pas vous sous-estimer. Yes, I want you to understand that you must not underestimate yourself. Ne vous sous-estimez jamais. Underestimate yourself. Ne dites jamais ah. Never say ah. Qu'est-ce que je peux faire? What can I do? De quoi suis-je capable? What can I do? Non. Non. Dieu a besoin que tu lui donnes seulement ton corps. Yes, sir. God needs only your Amen. Body. Il va s'occuper du reste. He's going to take care of the rest. Maintenant, je vais dire ceci. I'm going to say this. Vous savez, nous avons des âges. Hein? Nous commençons, nous naissons comme des enfants. You know, we are born as children and we grow up. Nous arrivons à un certain âge. And we come to a certain age. Et and le prophète dit qu'il y a un certain âge où vous vous sentez vraiment fort. Yes. Le prophète said that there's an age you feel yourself strong. Ou quelque chose comme yes. Between 20 and 20s. Vous vous sentez robuste. And that's the time you feel yourself that you are sûr de vous-même. You are sure about yourself. Vous êtes vraiment sûr que moi je suis capable de faire quelque chose. And you say yourself, I'm sure I can do something. Et les jeunes gens, vous allez remarquer que and vous allez young people, you're going to prêter attention aux détails dans votre vie. Vous allez prêter beaucoup d'attention. Yeah, you are going to pay much attention about yourself. Même votre façon d'habiller, even your way you dress yourself, votre façon de vous comporter, vous allez prêter attention. Parce que vous savez attention. Que bon, à un moment à l'autre, because je vais besoin de me marier. Because you know that a certain time I'm going to get married. Donc, c'est dans cet âge-là où vous êtes au plus fort de vos capacités. In that age, you are in your Vous êtes, c'est là où vous êtes capable de faire d'accomplir beaucoup de choses. It's the age where you can do so many things. Okay. Maintenant, now, si vous lisez dans Christ n'est pas la bienvenue. If you read in the message called Christ is not welcome. Le prophète parle de cette femme prostituée. The prophet spoke about qui a voulu offrir quelque chose au Seigneur. The one who wanted to offer something to the Lord. Vous savez ce qu'il a donné au Seigneur? You know what she gave to the Lord? C'était un parfum. It was a perfume. Et le prophète dit que le parfum qu'il a choisi. And the prophet said the perfume she chose. Quand il est allé acheter le parfum. When she went to buy the perfume. Il a dit au vendeur, il a dit, donnez-moi le meilleur parfum qui puisse exister. She said to the one who was selling perfume, said, give me the most. Le prophète dit, je ne sais pas combien d'argent elle avait. Le prophète said, I don't know how much she has. Je ne sais pas quelles étaient ses économies. I don't know what was she saving. Mais elle a pensé, qu'est-ce que je donnerai au Seigneur? She thought, what I'm going to give to the Lord. Je donnerai le meilleur que je puisse she said, avoir. I give the best of the things I've got. Elle a déboursé tout ce qu'elle avait. And she spent everything she had. Pour avoir le meilleur parfum. Just to get the best perfume. Et le prophète dit, and the prophet said,
le meilleur que vous pouvez donner au Seigneur. C'est votre jeunesse. C'est votre jeunesse. C'est pendant votre jeunesse que vous pouvez servir le Seigneur de tout votre cœur. Sans beaucoup d'interférences. Without anything. Pendant qu'il n'y a pas beaucoup trop de soucis dans votre tête. Where there's not so much worries in your mind. C'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment vous consacrer. In the time you're going to consecrate yourself. Lui donner toute votre force. Give him all your strength. Oui. Les vieux savent que quand nous on a cru, on était encore jeunes. Moi, j'ai cru à 17 ans. When I believed, I was 17 years old. Je vous assure, mes frères et sœurs. I believed, thank you, brothers and sisters. Cette Bible ici, on la connaissait par cœur. This Bible we knew it by heart. Parce que nous lisions à tout moment. We were reading all the time. Et nous n'avions pas honte d'aller dehors dans la rue pour parler du message. And I wasn't ashamed to go outside and speak. Il n'y avait pas de honte. Les gens qui nous rencontraient savaient déjà que ces gens-là sont des Branhamites. Everyone was meeting us knew that they were Branhamites. Il n'y avait pas d'hésitation. There wasn't la première chose, c'est parler aux gens du message. The first thing is to speak. C'est notre préoccupation. It was our duty. C'est la raison pour laquelle le message a beaucoup d'influence. That's why the message got good influence. Quand je vois les gens se moquer des prédicateurs, when I see people mocking preachers, je me dis, tous ces millions qui ont crié aujourd'hui, I said, what about those people? C'est parce que les gens se sont sacrifiés. Ils ont consacré leur jeunesse au Seigneur. They gave their youth age to the Lord. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. They done what they could do. Ça donnait ce que ça donnait. Le message est populaire aujourd'hui. Le prophète dit, si vous ne pouvez pas respecter un homme, respectez au moins ce qu'il fait. Yes, le prophète dit, if you can't respect someone, respect what he's doing. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu a besoin de vous. What I'm trying to say is this, God needs you. Non seulement Dieu a besoin de vous. Not only God needs you. Nous, en tant que vos parents, we also as your parents, nous avons besoin que vous nous honoriez. We want you to honor us. Nous voulons que vous puissiez relever les défis. Vous allez quelque part, on dit que les Congolais ne peuvent rien faire. If you go somewhere, they say that Congolese people cannot do anything. Que vous avez été influencé par le message. By the message from the people who go out from Congo. Il n'y a pas de mal à ça. There's nothing but. Le prophète dit que les Africains peuvent enseigner la moralité aux Américains. The prophet said Africans can teach the morality to Americans. Donc quand nous venons vivre dans ce pays, and when we come in and live in this country, il n'y a pas de hasard, Dieu sait pourquoi. There's nothing happening for chance. Alors, why. On nous parle de l'intégration. We are talking about the integration. Je suis d'accord avec l'intégration. I believe in integration. C'est bon parce que vous devez comprendre la société où vous vivez. It's fine because you have to understand the society where you're living in. Par contre, on doit garder son identité. Amen. Excusez-moi que je parle de ces choses, ça semble peut-être banal, mais c'est vous allez signer des formulaires pour demander quoi que ce soit. You are going to, if you go somewhere and sign que ce soit la santé, forms, que ce soit l'aide financière, que ce soit le travail, even for money, whatever. Vous allez voir qu'on vous demande votre origine ethnique. You are going to ask you where you come from. J'ai des problèmes pour expliquer ça à mes enfants. Yeah, it's hard for me to explain. Quand je leur dis, vous êtes congolais. When I was never born in Congo. I've never been in Congo. Je n'ai jamais été au Congo. Donc, elle pense qu'elle est anglaise. Because she thinks that she is English. Mais les Anglais savent qu'elle n'est pas anglaise. But British people know that they are not English. On vous donne le passeport. They are giving you passports. Parce que vous êtes né ici. Because we were born here. Mais quelque part, ils savent que vous appartenez à quelque part. Somewhere they know that you belong to somewhere else. Les autres communautés ont compris cela. Other communities understood that. Vous allez chez les Indiens. If you go to the Indian people. Vous allez voir qu'ils vivent ici, ils fréquentent les écoles ici. You are going to see that they are living here, they are going to school. Ils maintiennent leur
éducation. Ils font un effort pour que les enfants puissent garder leur identité. Parce que l'identité, c'est un problème sérieux. Vous oubliez votre identité, vous ne savez rien faire. C'est la raison pour laquelle, pasteur, vous allez voir les jeunes, les gens laisser pousser la barbe. That's why you see, vous pensez que vous devez vous identifier à tout ce qui arrive. C'est facile à comprendre. Quand vous n'avez rien, vous allez avaler tout ce que vous avez. Même il a dit que celui qui est affamé peut ramasser même à la poubelle. C'est parce que vous n'avez rien à donner que vous allez prendre n'importe quoi. Vous n'avez rien à offrir, donc vous prenez ce que vous recevez. Mais si vous avez quelque chose à donner, vous n'allez pas prendre beaucoup de l'extérieur. Mon neveu a passé des années à la prison. Il était chef de garde, il venait à l'église du message. He used to come to the message church. Mais à un moment donné, it's boring. And one time he said, oh, it's boring. Il est tombé dans l'histoire des gangs. And he went to the gangs. Il a fait beaucoup de temps en prison. And he was in prison for a long time. Et en sortant, vous savez ce qu'il a ramené? When he came out from the prison, you know what the pain he bought? La barbe. The beard. Il est devenu musulman. He became a Muslim. Parce que les musulmans exercent de l'influence. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour influencer les autres. Je vous assure qu'ils s'investissent sérieusement. Les enfants musulmans, Muslim children, sont conditionnés de telle manière qu'ils influencent les autres enfants. Ils se vendent même, ils disent qu'après des années, l'islam va prendre, will take over. Islam will take over. Même le racisme que vous voyez ici, even the racism you see, je vous informe que ce n'est pas par hasard. I'm telling you, it's not on a enseigné aux enfants, they taught the children, à être racistes. To be racist. Leurs philosophes, vers ces années-là, on leur a enseigné qu'il faut montrer au noir qu'il est inférieur. The philosopher was showing, they told the children to show the black people that they are. Donc c'est ce qu'ils font. That's what they're doing. Ils reçoivent des enseignements et ils mettent cela en pratique. Yeah, they've been taught and they are practicing. Bon, maintenant le prophète nous dit que. Now the prophet says. S'il y a un faux dollar, ça veut dire qu'il y a un vrai dollar. Yes sir. The prophet said if there's a fake dollar or bogus. Si ces gens possèdent quelque chose et ils ont le souci de transmettre cela. If those people they've got something and they want to give it to the people. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas avec notre jeunesse. What's going wrong with our youth? Que vous ne soyez pas en mesure d'influencer aussi les autres. That you're not able to put those other people under the influence. Pourquoi avoir honte de son identité? Why you are ashamed of your identity? Votre identité en tant qu'un enfant qui est né et qui a grandi dans le message. Your identity as a child was born. Was born in the message. Je ne parle pas de l'esprit congolais. Les nations ont des esprits, nous les nations ont des esprits. Mais par contre, nous pouvons montrer aux gens que les Congolais sont croyants du message et ils peuvent vivre le message. But we can show people that Congolais are message believers, they can live. Nous ne sommes pas moins sérieux comme les gens le pensent. We are not people. We are not in serious people. Parce que l'impression c'est que les Congolais ne sont pas sérieux. Because people always think that Congolais are serious. Parce qu'il y a un petit groupe de gens qui va aller peut-être quelque part faire un désordre. Because there's a small group of people go somewhere and do something. Comme nous disons. That's what we always say.
If someone is still in the family, is a reputation of the family. Par contre, nous avons un défi à relever. Yes, amen. Ne comptez pas sur ce vieux ici. Ne comptez pas. Ne mettez pas, ne laissez pas la charge au vieux. Don't rely yourself to the adults. C'est votre responsabilité. It's your responsibility. Parce que quand vous êtes jeune, c'est à ce moment-là que vous devez servir le Seigneur. When you are young is the best time to serve the Lord. Et vous servez le Seigneur comment? And how do you serve the Lord? Le prophète dit tout ce que vous pouvez faire. The prophet said everything you can do. Vous devez savoir de quoi vous êtes capable. You have to know. Parce que le problème c'est que on ne se connaît pas soi-même. The thing is, we don't know ourselves. Yes. On se sous-estime hein, soi-même. We underestimate ourselves. On pense que c'est toujours l'autre qui doit faire ça. It's always the other one who have to do it. Dans la Bible, les gens qui ont fait des grandes choses, c'était des hommes comme vous. And yes. In the Bible, those people have done so many things, great things. They are like you and me. Généralement, vous allez voir que un jeune homme a suivi quelqu'un qui l'a influencé dans sa vie. If you notice, you're going to see that it's a young man who was forging someone who influenced him in his life. Je peux citer beaucoup, mais vous allez sûrement remarquer que les gens ont suivi quelqu'un. But you're going to notice that dans cette école, you're going to notice that he was following someone and il les a influencés. And that put them under the influence. Et ils sont devenus aussi des figures influentes. And they become also someone who can influence the others. On a posé la question au prophète, on a dit. The answer to the prophet said. Comment connaître ma position dans le corps? How can I know my position in the body? Amen. Le prophète a dit. The prophet says. Généralement, ce que je fais, j'observe la personne. The prophet said. What I'm doing, I'm just going to observe the person. Je vois sa nature. I'll see his nature. Je vois de quoi il est capable. I'll see what he can do. Ce qu'il est capable de faire. What he can do. Donc, Dieu nous a créé au monde chacun avec un certain talent. And God created us everyone with his talent. Je vous assure que chacun a un talent. I'm telling you, everyone has good talent. Vous êtes capable de faire quelque chose. You are able to do something. Yes. Vous êtes peut-être, vous avez l'habilité de parler. Maybe you've got the ability to speak. Vous avez peut-être l'habilité de chanter. You've got maybe the ability to sing. Vous êtes capable de faire quelque chose. You are able to do something. Ce qui manque, c'est que vous ne mettez pas cela en service. Yes, what is missing? Because you don't practice. Parce qu'on est occupé à beaucoup d'autres futilités. Because you are so busy with some other things. Le prophète dit dans un message, il parle des jeunes. But when I'm spoken one message, il dit quelque chose qui ne parle toujours pas, je pense à cela. Il ne sait pas. Les jeunes, les touristes qui sont en train de marcher dans les déserts. The prophet compared the young people to the tourists which was walking in the desert. Il dit, vous marchez, marchez, et généralement les touristes sont guidés. He said, when they're walking, they've got guides. Mais vous allez arriver quelque part, les gens voient quelques fleurs, ainsi de suite, ça les impressionne. When they go somewhere and they see some flowers, get under the impression of it. Et ils sont un peu distraits, ils veulent suivre cela. And they want to go and see those flowers. Et ils se perdent. And they get lost. Et quand ils se perdent, quand vous perdez dans les déserts, and in the desert when you get lost, commencez à voir des mirages. And you start seeing mirages. Vous connaissez le mirage, n'est-ce pas? No, mirage. C'est comme s'il y a de l'eau là-bas. It means like you see something like water there. Mais en réalité, ce n'est pas l'eau. But in reality, it's not water. C'est la preuve que vous êtes perdu. That means that you are lost. Jeune homme, jeune femme, attention, dès la minute où vous détachez votre attention de la parole, vous êtes parti. The prophet said, young people, the time you take attention from the word of God, you are lost. Vous vous perdez, vous partez. You are lost, you go. Nous avions beaucoup de jeunes. They have so many young people. Il y a quelques années qui étaient très assidus. Je crois que mon jeune frère essaie. Long time ago, most of them were
involved in the message. Ça me faisait plaisir parce que moi j'aime toujours être avec les jeunes. Yeah, I like because I'm old. Yes, sir. Yes, sir. Like je connais la jeunesse, je suis passé par là. Ah, I know the young people. Je sais qu'ils ont plus besoin d'aide que les autres. I know that they need help than us. Nous avions des jeunes qui étaient ensemble. We had young people was together. Sans tenir compte des églises ainsi. Yes, sir. Ils étaient tout le temps ensemble. They were always together, those young people. Et je crois qu'il y avait une certaine force qui se dégageait. Yes, sir. I know that there was a strength was coming from them. Parce que l'union fait la force. Yes. The union is the force. Montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai. Show me. Amen. Who is your friend? I'll tell you who you are. Cette influence là faisait que les jeunes puissent avoir des ambitions. That influence was pushing the young people to have ambitions. Je parlais avec les jeunes, ils avaient des initiatives. I was talking to them, they had ambitions. Nous voulons faire ceci. I want to do this. Nous voulons évangéliser. I want to go evangelize. Et ils vont se mettre à créer des sites internet ainsi de suite pour propager le message. They start creating a website for the message. Mais c'est malheureux qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 80%, on ne voit plus. Unfortunately, most of them are not seeing them anymore. Qu'est-ce qui se passe? What happened? Est-ce qu'on a suivi les mirages? What's happening? Maybe we follow the mirage. Est-ce que ce sont les églises? Is it the churches? On va bien encadrer la jeunesse. Is it the churches who didn't preach well the young people? C'est là où je reviens encore à ce que le pasteur a dit sur la responsabilité des parents. What the pastor said about the parents' responsibility. Je crois que quelque part nous aussi les parents, nous avons, we also parents, négligé notre responsabilité. We neglected our responsibility. Parce que le prophète dit, il dit dans un message, il dit. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder nos enfants dans une bonne atmosphère? What can we do to keep our children in good atmosphere? Gardez-les dans la compagnie des chrétiens aussi longtemps que possible. Amen. Le prophète said, keep them among Christians. Yes, qu'ils soient ensemble avec les chrétiens. Parce que la personne que vous fréquentez, c'est la personne qui a de l'influence sur vous. The person who's your friend is the one who's got influence. Quand nous parlons de l'influence, nous n'avons que deux choses. When we're talking about influence, we've got only two things. Soit vous influencez quelqu'un. You influence someone. Soit que quelqu'un vous influence. Influence. Donc c'est un combat. Yes. Il y a beaucoup trop de mauvaises influences. So many bad influences. Que quand vous vous rassemblez comme ça, vous parlez du Seigneur, vous faites des choses. Celui qui chante peut chanter. When you gather together doing things, the ones don't sing, don't sing. Celui qui peut témoigner, témoigne. The ones don't give testimony, let him give testimony. Cette union vous fait la force. Yeah, that union is yours. Elle vous donne la force d'évangéliser. It's going to give you the, de répandre la lumière. It's going to give you the ability to go evangelize and bring light. Parce que Dieu ne descendra jamais comme un esprit pour faire le travail. Because God never come down as a spirit to do the work. Non, jamais. No, never. Dieu a besoin de vous et de moi. God is you and me. Et aujourd'hui, il s'agit de vous, les jeunes. Dieu a besoin de vous. God is you. Vous savez, ce pays n'est pas évangélisé. Non, this country is not evangelized. Allez dans des villes partout ici. Go everywhere. Il n'y a pas une seule ville. Partout. Everywhere. Mais Dieu vous place. Mais God bless you there. Dieu vous envoie quelque part. God sent you somewhere. N'attendez pas que ce soit les vieux qui fassent le travail. Si vous savez ce que vous avez reçu, if you know what you receive, si vous êtes sûr que vos parents vous ont conduit dans la bonne voie, you believe that your parents went, pouvez peut-être dire, good way, pouvez peut-être dire bon, le message c'est pas pour moi, you may say the message not for me. Même dans ces cas-là, je crois toujours que si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez revenir dans la voie. Mais sachez que partout vous allez, but not that everywhere you go, dans n'importe quelle ville, everywhere you go, vous allez entendre des témoignages des anciens pasteurs. J'ai parlé avec un pasteur qui. Il me disait, frère, moi j'ai commencé à prêcher, je ne savais même pas. So most of them said, me when I started preaching, I didn't even know. On m'a muté à l'intérieur du pays, au Congo là-bas. They sent me somewhere for work.
Et je parlais aux gens de la parole. And I started talking to people about the word. Et ces gens ont pris la parole. And those people believed the word. Et finalement, finally, ils m'ont suivi, ils ont dit, mais. And they came to me. Tu nous parles de bonnes choses. Où est-ce que nous pouvons aller prier? But they are telling us about good things. So where can we go? Les frères se sentaient débordés. And mais je vais faire quoi? J'ai apporté la parole à ces gens, mais je n'ai pas été pour les gens. What am I going to do? I've been preaching this people. What am I going to do now? Et il a dit, il a appelé le pasteur Gondé, je crois qu'il était le pasteur. Il a dit, pasteur, j'ai des gens ici, mais je ne sais pas ce que je vais faire. People here, but I don't know what to do. Le pasteur Gondé a dit, the pastor said, lui-même quand il a dit ça, il a dit, pasteur a dit, mais tu n'as pas de bonnes the pastor said, just surrender yourself with God, to God, God is going to be there. Il a dit, mais je ne sais même pas comment ça s'est passé. But I don't even know how it's going to happen. Il a commencé à communiquer avec le pasteur jusqu'à 5 heures. And he started talking to the pastor until. Il a commencé une église. And he started a church. Et aujourd'hui l'église. And today it's a big church. Très influente. That church has got good. Donc vous allez quelque part. If you go somewhere. Dieu vous a placé là-bas pour une raison. Ça dépend de ce que vous voulez faire. It to what you want to do. Parce que notre histoire, c'est nous-mêmes qui l'écrivons. Because our story, we are writing it ourselves. Parlez du message, n'ayez pas honte. Talk about the message, don't be ashamed. Si vous avez des difficultés, if you have difficulties, appelez un ancien. Suivez quelqu'un, dites qu'il lui faut, j'ai besoin de l'aide. Je suis ici, j'ai des amis, je parle de message. I've got friends, et je ne sais pas comment les prendre. But I don't know what to do. Quelquefois, peut-être, on vous pose des questions sur le message et vous ne savez pas répondre. Appelez un frère. Call a brother. Appelez un ancien. Call an ancien. Dites-lui, mais j'ai des difficultés ici. Qu'est-ce que ask vous voulez dire? I don't want to do here. What comment m'y prendre? What am I going to do? Et soyez sûr que vous pouvez être utile. You must make sure that you can be useful. Dans tout ce que vous faites, soyez sûr que vous êtes utile pour quelqu'un. In everything you're doing, you must make sure that you are useful. Dans la Bible, il y a tellement d'exemples de gens qui ont été utiles. In the Bible, there's so many examples people was useful for people. David était utile pour Saul, David was useful for Saul. Juste avec son talent de musique. Just for playing music. Il jouait la musique avec les mauvais esprits. That he was cast out the bad spirit. Les mauvais esprits qui dérangeaient le roi puissent les quitter. Yeah. C'était son talent, mais il a mis au service de quelqu'un. It was his talent, but he was doing it for someone. Mais il y a aussi des gens comme le jeune homme riche qui a manqué d'opportunités. There also a young rich ruler who missed the opportunity. De suivre la voie du Seigneur. To follow the way of the Lord. Le prophète dit dans le message d'investissement qu'il a manqué. In the message called investment. Il a manqué d'investir dans une affaire sûre. Baba said that he missed to invest in. I don't want to say that. He's a very sure business. Thank you. Parce que rappelez-vous, mes frères et sœurs, cette vie passe. You must remember that this life will pass. Le prophète dit, après 23 ans, vous commencez à mourir. But Ram said, after 23 years, you start dying. Nous pensons que nous allons quelque part, mais finalement, nous n'allons nulle part. You think that we are going somewhere. In reality, we are not going nowhere. Quand j'étais à l'école primaire, je disais, quand je vais à l'école secondaire, je vais porter un pantalon. Chez nous, là-bas, à l'école secondaire, on portait les pantalons. Because my country used to trousers in secondary school. Ouais. Donc mon rêve c'était que j'arrive à l'école secondaire pour my dream was pantalons. To go to the secondary school to. Alors, en ce moment-là, je serai un homme. And then that time I would be a man. Je suis arrivé à l'école secondaire. When I go to the secondary school. Non, je trouvais que c'est l'université que je visais. I said, I want university. Je fais l'université. After university. Et après, je commence à rêver du travail. And after that, I start thinking about the work. Le mariage, ainsi de suite. Marriage and everything. Je me marie. And I get married. J'ai le travail. I go to work. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je ne pas la j'ai une maison, ainsi de suite. I go to a house, I go everything. Mais finalement, je me demande, bon, après, qu'est-ce qui va arriver après? On ne sait pas pour investir. Good things to invest. Pour gagner beaucoup d'argent. To get so much money. Et finalement, and
Finally, on n'utilise même pas cet argent. Ça ne sert vraiment pas à grand chose. Donc on se demande pourquoi on se bat dans la vie. We are telling ourselves why we are fighting life. Alors si vous pouvez comprendre cela dès la jeunesse, and comprenez qu'il y a quelque chose de meilleur. Now, as a young, comprenez que vous pouvez utiliser votre vie pour un but meilleur. You can use your life for a good purpose. Le prophète dit péché c'est manquer le but. Yes, le prophète said sin is to miss the point. Posez-vous la question, je suis venu au monde pourquoi? Ask yourself a question, why am I here in this world? Je mange, je bois. I drink. Je dors, je me réveille. I sleep, I wake up. Je fournis beaucoup d'efforts. I do so many things. Mais finalement, c'est un cycle. Finally, it's a cycle. Ah, c'est la même chose. Demain, je vais faire la même chose. It's a routine. Demain, je vais faire la même chose. Today, I'll do the same thing. Tomorrow, I'll do the same thing. Et puis, vous allez remarquer que vous n'avez rien fait. And after that, you're going to find yourself you didn't do anything. Alors, pourquoi ne pas donner le meilleur de ce que vous avez? Why? Pour le Seigneur. Bless yourself. Amen. To the Lord. Et le meilleur de ce que vous avez, le prophète dit, le jeune âge, c'est là la fleur. And the prophet said the youth age is the flower. C'est le cadeau que Dieu vous a donné de it's votre vie. God gave you for your life. Si vous n'utilisez pas ça comme il faut, if you don't use it the way you're supposed to, vous avez manqué les buts. You missed God. Donc mes jeunes frères et sœurs, and brothers and sisters, et les jeunes enfants, and young children, comprenez que vous êtes né dans un but. You must understand that you were born in Dieu a vous a placé à l'école là-bas. God placed you in school there. Pour être un bon garçon. To be a good boy. Afin que quelqu'un qui verra puisse dire qu'il peut vivre comme toi. For someone to say that I want to live that like this boy. J'aime ce que le pasteur a dit. Like what the pastor said. Nous ne pouvons pas nous cacher, être juste quelque part là dans nos écoles à nous-mêmes. Non, non, non. Dans un but. The pastor said that we don't have to hide ourselves in our schools. No, God placed us for a purpose somewhere. Parce que vous savez, prenez.